Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Leachabet, Mazal Tov, Lucienne Batreina, Claude Shlomo, Ben Shalom, et Olga Bat Sol Vanish. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Nishmat, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Gitin, Perikret Mishna Bet, Amar la Kinsishtar Chose, Or Shemetza Atu Me Achorav, Kora Vareu Gita Enoget, Adjum Amar la He Giter, Otli Giter. Nathan Meyada Vehi Yeshana Neora Kora Varehu Gita Enoget Achi Omarla Areizen Giter. Aïta Omedet Beshut Arabim Uzrako La Karov La Megoreshet Karov Lo Ena Megoreshet Merza Al Merza Megoreshet Vena Megoreshet. On continue dans notre Mishnah à découvrir le sujet de la manière de transmettre le get à la femme. On a appris que la Torah elle a dit Venatan Meyada, il faut lui donner dans la main. On a appris le donner dans la main, ça veut dire pas forcément dans sa main, c'est le donner dans son domaine, dans ce qui appartient à elle. D'accord? Et il y a aussi dans ce sens qu'il faut lui donner en tant que guette. Du coup, la Mishnah me dit, Amar la kinsishtar chovze, tiens, je te prépare une petite enveloppe avec 1000 shekels. Elle reçoit le guette, elle dit, ah 1000 shekels, je te divorce. Ah ouais, je l'ai divorcé. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche pas. Parce qu'il faut le donner en tant que get. Mais c'est réparable. On va expliquer tout de suite. Ou bien encore une autre situation, c'est Oshemetsaatu. Donc il l'a transmis comme ça. Ou bien Oshemetsaatu Meachorav. Il l'a trouvé derrière lui, en fait. Parce qu'en fait, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai une petite enveloppe pour toi. Et il lui tourne son dos. Il lui dit tiens, prends-la. Et lui sort, lui décolle du dos une enveloppe où il y avait écrit Arezeg. Il y a marqué que c'est un get. Donc il a divorcé. Cora, donc elle le prend, elle le lit. Vare au guet, oi oi oi, il est fâché contre moi, il m'a divorcé. Eh bien, et non guet, ce n'est pas encore un guet. Ache omar la he guiter, jusqu'à qu'il lui dise, tel est ton guet, ou bien tli guiter, je te le donne en tant que guet, prends ton guet. Je m'explique, c'est très simple, on a appris qu'il faut donc transmettre le guet à la femme, mais en guise de guet. Donc transmettre le guet à la femme, à exclure d'abord, c'est expliqué dans le Bartanoura ici, qui nous dit, si jamais je mets le guet par terre, je vais dire, ramasse ton guet, je n'ai plus de devoir, ramasse-le. Et elle le ramasse, en tant que guet, elle est prête à divorcer comme ça, mais il n'y a pas eu de transmission de moi à elle. Je ne l'ai pas donné, c'est elle qui a fait l'action de le prendre. Donc aussi la même chose, je le mets sur mon dos, il faut forcément que je le mette sur mon dos, je dis, tiens, prends-le, et je bouge. Mais si je lui dis, j'ai une petite enveloppe pour toi sur mon dos, viens le chercher, et je ne bouge pas, je ne fais aucun geste pour me diriger vers elle, eh bien je n'ai pas transmis le guet. D'accord? Mais pour transmettre, ça suffit que je fasse un petit geste vers elle. Donc en fait, Mishnah première, Mishnah, on avait appris que pour le recevoir, elle peut le recevoir juste dans son domaine. Là, on apprend que même pour le donner, il faut que le mari le donne, qu'il fasse un geste. Mais important, il doit nécessairement donner le guet en guise de guet. S'il lui donne en tant que papier surprise, et qu'elle le prend, qu'elle le lit, qu'elle comprend que c'est un guet, c'est pas encore une bonne netina. Mais c'est réparable. Réellement, dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que c'est encore réparable ou il fallait préciser depuis avant? La Mishnah, elle parle comme Rabbi, donc j'imagine que c'est la Rara qui est retenue comme ça. C'est même si on c'est rattrapable, même après coup. Elle l'a pris, on a fait le Massé Netina. Il manque encore de préciser que c'est en guise de guette, donc je lui dis, oui, c'est ton guette. C'était ton cadeau d'anniversaire, ça y est, bye bye. Donc là, ça marche de donner un guette de la sorte, de lui dire, hey, guiter, après coup. Mais au moins, qu'elle a fait il y a eu la Netina, et après, il y a eu la Netina en guise de guette, que ça a été précisé ensuite, ça marche aussi, d'accord? Fin de la première partie, deuxième partie, c'est encore la même idée, mais cette fois-ci avec une différence, c'est que je lui ai donné réellement le guet, mais pas en guise d'autre chose. Tout simplement, elle était en train de dormir. Je lui ai collé sur le front. Les maris méchants. D'accord? Nathan Beyada Vei Eshena, elle lui a donné dans sa main. Ah, il le glissait pendant qu'elle est en train de dormir avec les poings fermés. Il lui dit, ah, celle-là, je la manque pas. Elle a pris le guet, il a roulé, il lui a bien enfoncé dans la main. Comme ça, elle se réveille et elle comprend pas qu'est-ce qu'elle tient dans la main. Elle ouvre le guet et puis, ah, ça y est, rentre chez ta mère. Waouh! Ou bien encore, et donc c'est ce qui est passé, Nathan Beyada Vei Eshena, le dedans sa main, elle dort, Neora, elle se réveille, Bonuani Lefanecha, quelle bonne nouvelle tu m'annonces, Kora Veareo Gita, elle lit, elle trouve que c'est son guet. Et non, guet, ce n'est pas mon guet, parce que il y a eu la Netina, ça a été transmis, mais qu'est-ce qui manque? Il manque avoir précisé que c'est une Netina en guise de guet. Ache Yomarla, Hegi Areze Gita, ce qu'elle dit, c'est ton guet, ça y est. T'as reçu le petit cadeau là quand tu t'es réveillé? Ouais, t'as bien compris? Allez, bye bye. T'as mes gourachettes. Donc là, ça marche, d'accord? Autre sujet, maintenant on va parler d'autre chose. Là, ça va devenir un peu plus délicat. Je traduis d'abord le Mishnah.
Aïta Omedet Beshut Ravim. Elle était sur le lieu public. Elle n'est pas chez moi, elle n'est pas chez elle. Uzrakola, et il lui a jeté le guet. Allez, je te divorce. Et il lui jette le guet. Karovla Megoreshet. Si le guet arrive à proximité d'elle, plus proche d'elle, elle est divorcée. Karovlo, si je le jette, mais pas assez fort, donc il est plus proche de moi, plus proche de lui, elle n'a pas elle n'est pas divorcée. Mechetzal, Mechetzal, s'il arrive entre les deux, il a moitié chez elle, moitié chez lui, eh bien, Megoreshet, Vena Megoreshet, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée, c'est un safek. Est-ce que ça marche réellement, réellement, réellement? On parle plutôt que... Je vais vous expliquer après, parce que ça devient plus compliqué. Il y a deux manières d'acquérir dans le Rishut Arabim. Quand je suis dans un lieu public, Chachamim ont instauré que les quatre amot qui sont autour de moi sont à moi. Donc je suis connu Bekinan Arba Amot. De nouveau, ce que fait Baba Metzia en Dafayomi, récemment, ils ont sûrement découvert qu'on a parlé du Kinan Arba Amot, Arba Amot Shel Adam Konotlo Bechol Makom. Il y a une sugya entière dans Baba Metzia sur ça. Et entre parenthèses, d'ailleurs, c'est qu'étudie Khatser et étudie en parallèle notre Perek de Azorek pour bien définir les Ilchot Kinan Khatser. La Ilchot de Kinan Khatser, comment est-ce qu'on acquiert avec des. Par l'intermédiaire de son lieu. Plus précisément, maintenant, dans le Rishut Arabim, le Rishut Arabim, Khamim ont instauré que les quatre amotes qui sont autour de toi, tu acquiers. Ça veut dire que si jamais il y a ce stylo posé par terre à côté de moi et je regarde qu'il est là, je l'acquiers et personne ne peut venir le prendre pour l'instant que je l'acquierrais. Même mieux que ça, si je ne l'ai pas encore vu mais qu'il est dans mes arba amotes, quelqu'un vient le lève, je lui dis ah, mais non, je le veux pour moi. S'il était dans mes quatre amotes, je l'acquiers aussi depuis tout de suite. Ok? Dans mes quatre amotes. Pour le guet de la femme, ça va plus loin. Concrètement, ça s'appelle en fait, c'est pas une question de plus proche de moi, plus proche d'elle, c'est tout simplement, si je le jette dans un endroit où elle peut le garder, le surveiller, et moi, je ne peux pas le garder, le surveiller, il n'est pas sous ma domination, il est sous sa domination, ça marche même si elle est Birchut Arabim. Dès que le guet va arriver chez elle, à proximité d'elle, c'est-à-dire à proximité, c'est pas une proximité physique, c'est une proximité que elle est capable... Tout ce qui arrive ici dans cet endroit-là, personne n'ose le prendre parce que c'est elle qui le domine. Ça s'appelle que c'est Mishtamer là. C'est elle qui est Shomer et Toto. Et pas moi. Je le jette dans un endroit où moi je suis loin de lui, il arrive à proximité d'elle. N'importe qui peut venir prendre le guet et s'en aller par rapport à moi. Mais par rapport à elle, non, pas du tout, elle est à côté. Elle va empêcher. Donc le guet, il est bien préservé par elle. Et si le guet arrive dans un endroit où il est préservé par moi, gardé par moi, mais pas par elle, elle n'est pas Megorachette. Et s'il est gardé par tous les deux, c'est ce qu'on appelle Megorachette, Madame Megorachette. Que c'est une situation de Safek Girushin, et dans ce cas-là, avec toutes les chumrot, que maintenant c'est ma femme Safek divorcée, si jamais il meurt le mari, Safek Iboum, Safek Khalitza, donc il faudra faire Khalitza et pas Iboum, et il devra lui redonner un guet malgré tout, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.